Et bien salut tout le monde, salut PodGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, dans cette vidéo on va apprendre à allumer une lampe avec du wifi dans Minecraft Pocket Edition. C'est vraiment un truc de fou, donc c'est parti. Donc les amis, pour commencer, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, on va essayer de faire des petite lampe reliée en wifi, donc c'est très très simple. Vous voyez qu'il y a différents moyens de allumer une lampe comme celle-ci, hein, des lampadaires. Si jamais vous voulez faire une petite ville, vous voyez que c'est très intéressant. Ici elle est reliée avec un levier, donc vous pouvez l'allumer tranquillement. Donc oui, au passage j'ai des shaders comme ça, voilà, hein, comme ça vous allez me dire pourquoi. Mais bon, voilà, c'est juste pour la beauté de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, hop, ici on peut activer comme ça la lampe tout simplement, donc c'est très très simple. Et pour relier en wifi par exemple celle-ci, pour avoir aucun bouton, aucune redstone, aucun mécanisme pour pouvoir l'allumer tout simplement, parce que c'est moche d'avoir ça en pleine ville comme ça, ça pas un beau style. Donc vous allez tout simplement vous mettre au-dessus de cette lampe comme ceci, voilà. Vous allez regarder un endroit par exemple là, voilà. Hop, dans le chat vous allez mettre une commande, donc c'est une commande à faire. Vous allez mettre slash, donc slash set block comme ceci. Voilà, vous allez faire espace, vous allez mettre la position, donc la position ça se met avec ça, donc voilà, donc vous en mettez 3 avec un espace, donc un espace, un deuxième espace, un troisième, comme ceci. Vous faites espace et là vous allez mettre le nom du bloc, donc vous allez mettre wooden, comme ceci, button, donc le un bouton en bois tout simplement, comme ceci, voilà. Et ensuite vous allez faire espace et vous allez mettre 13, comme ceci. Ensuite vous allez appuyer. Hop, voilà, et le bloc sera placé juste ici, vous voyez. Et du coup, quand vous allez appuyer, hop, le bouton va se détruire et la lampe va rester tout simplement allumée, voilà. Et voilà, vous n'aurez plus besoin d'un mécanisme du tout, il n'y a aucun bouton, aucun redstone ni rien. Et hop, celle-ci, on peut la détruire, voilà, comme ceci. Et donc voilà, il n'y a aucune redstone, rien du tout, et c'est juste une lampe comme ça qui est allumée sans bouton. Et le bouton se trouve dans votre inventaire, donc c'est ce bouton-ci. Donc c'est un bouton spécial, vous voyez. Et donc voilà, vous pouvez laisser activer cette lampe sans avoir de mécanisme. Donc ça, c'est vraiment super. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si le shader vous plaît. Si jamais vous voulez que je reprenne le let's play avec ce shader sur mobile, ça serait vraiment stylé. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était HypodGamer172. Allez, bye tout le monde. Do 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 do